Salut à tous, c'est 77 Cabal et encore une fois on se retrouve pour Assassin's Creed Unity. Donc on en est à l'épisode numéro 10, comme d'habitude je fais ma petite comment dirais-je, ma petite présentation, voilà. Et donc on va directement y aller, avant je m'occupe juste du criminel. Voilà. Hop, c'est réglé. Donc comme d'habitude je vais résumer un peu vite fait. Il faut que j'aille là-bas. On va se téléporter ici. Donc pour faire simple, le gars qu'on a sauvé, l'orfèvre, n'est pas du tout un orfèvre. Enfin, si, c'en est un, mais c'est un enfoiré de templier. Et donc apparemment, ça a l'air d'être le sage qu'il faut qu'on découvre, quoi. Donc il faut qu'on trouve son corps, etc. Enfin voilà, quoi. La routine, quoi, j'ai envie de te dire. La routine, la routine, la roue tourne qui tourne, voilà. Sinon, ben voilà, Elise est toujours là. Je sais pas du tout si, comme je l'ai dit au début, je ne sais pas du tout si c'est une méchante. Enfin, possiblement que là, c'est une méchante, puis qu'à la fin, elle devient gentille, je sais pas du tout. On verra ça par la suite. Oh, attends, on va continuer, puis on va aller voir ce qui se trame derrière tout ça. Oh, encore un chien. Go! Donc faut que j'aille informer Mirabeau. Je rentre chez les gens comme ça, je monte sur leur bureau, tranquille. La gratuité, quoi. Je sais pas s'il faut que je tourne. Élise ? Monsieur Mirabeau ? Ça sent le meurtre. Élise ? Élise ? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Alors, SL ou S, n'est-ce pas L, nous le saurons après la pub. Non, je viens de faire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Qu'avons-nous donc? Une armoire, un bureau. Allez, hop, armoire. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Hop. Cite le bureau. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Tac. Je peux l'accuser si je... Oh, d'accord. Ah non, j'ai récupéré ici. Si. Il y a peut-être autre chose dans son lit, je sais pas. Je vais l'accuser, allez, hop. Non. Est-ce que je dois l'accuser? Parler à Maître Kemar. Bon, allez, vas-y, hop, on tente. Poison des Templiers. Épingle des Templiers. C'est incriminant. Bravo, tu m'as percé à jour. Mon plan diabolique était de tuer le seul et unique assassin qui ne veuille pas ma mort, puis d'attendre gentiment qu'on me découvre. Il n'était pas le seul. Tu as raison, je suis désolée. Mais tu sais que ce n'était pas moi. Je te crois, mais la confrérie... Alors trouvons le vrai meurtrier avant qu'il ne l'apprenne.
Élise, tout ici désigne un acte des Templiers. Il y a anguille sous roche. Il n'y a plus rien à vérifier, t'es sûr, le lit là. Attends, mais là il y a des papiers partout. Non, je peux rien faire, pourtant le lit est jaune. Bon, c'est tout. Allez, on va sortir. On va aller voir Maître Kemar. Et lui, il est tranquille, là, il compte ses... Il compte... Recule. Je veux dire, il compte ses sous, je sais pas si c'est le sien. Donc, allons voir Maître Kemar. Tuer le messager sans être vu. C'est trop chiant. Hop. Continue. Run, 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 run. Maître Kemar sur son oiseau perché. Let's go. I get it wrong. Tout va bien, citoyen. Tout va bien, citoyen. Il a peut-être fait ça pour devenir le maître des assassins. Arnaud Dorian, que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Poison. Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée, mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. C'est tout? Tout. Maître Kemar a entendu parler d'un apothicaire peu scrupuleux. D'accord, donc en fait, ça, je crois que ce qu'on est en train de faire là, c'est un tutoriel d'enquête, je pense. Je sais pas. Arnaud. Parce que je sais que. Quand. Qu'il y a des. Enfin, je crois qu'il y a des missions d'enquête aussi dedans. Let's go. Lego. Oh, y a qui là que je peux accuser? Yuri quando tu voli Yuri quando quando quando. Bon, c'est tout, on va aller au marais. Attendez, avant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais chercher les sous. Je sais pas pourquoi c'est écrit accusé, j'aurais pu accuser Kemar. Aucun profil initié. Jamais des récompenses. Oh, ok, d'accord. C'est pas celui-ci. Hop. Ça va être celui-ci. Tac. Merci pour les chouchous. 92. Ce qui ne fait pas grand chose. Avec ça, je peux même pas m'acheter de quoi me refaire. Enfin, de quoi refaire des. Comment ça s'appelle des. Enfin, acheter des munitions, etc. Duty, quando tu volais. Ouais, de la musique! Oh, un volant. Je l'ai fait parce que c'est vraiment rapide à faire et puis ça fait gagner des trucs.
forme d'exercice. J'aime bien la scène, j'aime bien la jouer dedans. Arsenal, quartier Arsenal. Hop, hop, hop. Allez, on est bientôt arrivé, les amis. Merci. Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide. Je crois pouvoir affronter un apothicaire. Ah, oh, t'es là. Oh merde, je me suis fait baiser, elle a pu rentrer. Il y avait une porte de l'autre côté. J'ai fait le tour pour de la merde. Vas-y, descends. Descends, j'ai dit. Par où elle est rentrée? Ah oui, d'accord. Ok, donc... Bonsoir. Je me demandais si... Deux fois. Ah, bravo. Attends, on sort, reviens ici. Arrête. Attends. D'accord, le mec, il a The Souterrain sous chez lui, quoi. Merde, je vois plus rien. Non mais t'es mort mon gars, je vais te rattraper, je vais te kill hein, les gueules. Oh merde, non, vite. Vite. Je sais pas pourquoi je suis monté sur les toits. Ne demandez pas. Eh, saute! Je veux seulement te poser des questions! Trop tard. À personne, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Oh, il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez, c'est tout ce que je sais, je le jure. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a vraiment pas à dire, elle est vraiment trop belle. Mince, j'ai mis 3. Tant pis. Pour une poignée de duel, c'est ok. Bon. On va se diriger tout de suite vers la prochaine mission, les amis. Qui se situe là-haut. Donc on va prendre le truc rapide ici.
Je suis où? Encore heureux qu'il les voit les trucs de paille parce que moi je ne les vois pas quoi. Je suis au palais de justice. Donc à mon avis il faut que j'aille à la Sainte Chapelle. Le coffre est plein alors que je viens juste de le vider? Go. Quel endroit charmant. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. Elle est vraiment trop belle quand même. Il n'y a pas à chier, elle est vraiment trop trop belle. Cette fille. Il dirait qu'elle est localisée des indices. Je vais la retirer, comme ça ce sera fait. Merde. Vas-y, avance! Ah non, d'accord. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seul. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Bien sûr que je vais revenir vivant, tu m'as pris pour qui? T'es une femme comme ça, tu peux que revenir vivant quoi. T'as la volonté de... T'as une volonté de ouf quoi. D'accord, donc la poussière est en... Je pense que c'est un mercenaire et puis qui a été payé pour mettre le symbole templier et tout je pense. Tu sais, moi je joue à ce jeu, je deviens inspecteur Derek. Hein, moi j'ai aucun respect. Il t'en a fallu du temps, merdeux. Belek? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau! C'était lui le poison! Sa paix avec les Templiers! N'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Massiaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus fort que jamais. Mais cette fois... On s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation. Mais une armée. Et dans une armée... pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non. Je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Belek, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage.
Bellec, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça en deux temps de raison. C'est tout, j'ai été obligé de les tuer. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Oh toi, tu fais quoi? Tu n'es que pauvre merde sans cervelle. Allez, QTE ma gueule. C'est ce qu'on dit. D'accord, il a récupéré toutes ses vies. Vas-y, tape. T'aurais mieux fait te laisser pourrir à la Bastille. Mauviette. Oh. Tu fais quoi? Tu fais quoi, toi, ma gueule? Tu t'es pris pour qui, là? Je ne pense pas. Ouvre les yeux, petit. J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Et merde. Putain, à chaque fois il récupère sa vie en plus. Et t'as l'impression que c'est la fin du jeu. Oh, tu me casses les couilles toi. T'es sérieux? Arnaud! Je n'ai rien. Reste tué. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille. Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Bellec. Tu ne me laisses pas le choix. Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouvera une puissance qu'elle n'a pas connue depuis deux siècles. Oh oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres. Et il est passé où? Ah là-bas. Enfin là-bas il y a un truc, je sais pas si c'est ça. Where is... Merde. Je me suis perdu. Ah ok. Attention. Alors... Maintenant au moins c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Bellec, tu me remercieras. Un jour. Hop, hop, hop. Aïe. Il est temps d'en finir. C'est pas possible. Hop, hop. Aïe. J'ai laissé ta chance, merde. Bon Dieu.
T'arrêtes de me pousser ou quoi là? Tu... C'est pas un combat de... De bovin là? Et tape, et tu tapes, Et regarde! Oh, ils sont encore barrés quoi. Derrière toi! Comment tu veux que je pars ça? Puis l'autre il se barre tranquille en mode. T'as vu? C'est qui le papa? T'as vu? C'est le combat le plus long de toute la vie. Allez, tiens. Ok, c'est le coup de trop. Je suis désolé. Comment je fais pour esquiver là? Oh là là, mais c'est pas possible. Il est temps d'en finir. Je sais pas comment je fais pour les parer. Derrière toi. Ah voilà. Ok. C'est ta chance, merde. Tu aurais mieux fait de m'écouter, petit. Voilà, tu vois, bah tu vois. Ouais. Tu laissais ta chance, merde. Regarde. Vite. Moi je veux pas le tuer. Je ne m'arrêterai jamais. Je la tuerai. Pour sauver la confrérie, je réduirai Paris en cendres. Je sais. Achève-moi! Non, tu l'achèves pas. Si tu achèves, t'auras plus de preuves. Je t'ai formé mieux que ça. Tue-moi comme il faut. Non? Ouais, tant pis. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merde. Ça fait tomber ça. Eh bien. Que tu sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. En paix.
Il y a pas à chier, les cinématiques ont quand même plus de gueule qu'avant, hein, parce que je me rappelle dans le 1, à chaque fois tu le mec il arrivait à lui refermer les yeux sans lui fermer les paupières sans sans toucher ses yeux quoi avec ses mains, enfin c'était un peu nimpe. Bon ben voilà, une bonne chose de faite. Elle est où la passerelle? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. Et on se dépêche. Bon, bah, du coup, les amis, l'épisode va durer un peu plus longtemps s'il y a ça, parce que. Parce que voilà, quoi, je peux pas faire autrement, c'est la suite de la mission, quoi. On se retrouve de l'autre côté. Bah du coup, je crois qu'en fait, on va s'arrêter là, les amis. Moi, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao, ciao! We'll be right back.